Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. À mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnait. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de l'ascension du Christ. Christ monte au ciel. Jésus, il nous avait promis, monte au ciel auprès de son Père et notre Père. Il nous avait rassuré qu'il fallait qu'il puisse monter au ciel afin que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Non seulement l'Esprit Saint, mais cet Esprit Saint, l'Esprit des vérités. C'est l'Esprit Saint qui va témoigner de nous et qui va aussi nous juger par rapport à notre comportement. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un jour de joie pour tous les chrétiens du monde, car notre Maître nous précède au ciel pour nous préparer une place de choix auprès de notre Père, auprès de Dieu, pour qu'un jour, où nous serons avec Lui, puissions aussi le louer en présence des anges. Jésus, avant de passer de ce monde à son Père, s'est montré vivant parmi les hommes par son témoignage et a procuré la joie à l'univers par ses différentes apparitions. Son ascension dans les cieux réjouit nos cœurs, réjouit le cœur des disciples, car elle célèbre l'exaltation du Christ qui nous a promis alors l'Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit des vérités, l'Esprit des sagesses, l'Esprit d'amour et des craintes de Dieu. Sa montée au ciel, frères et sœurs, et son entronisation à la droite du Père, le règne de Dieu vient dans le monde, car Dieu, comme vous le savez, est le roi de la terre, de toute la terre, de l'univers. Il est monté plus haut des cieux pour combler tout l'univers. Cela, nous pouvons le voir, le rencontrer en Éphésiens 4, versets 9 à 10. Le Seigneur monte dans les cieux, mais il nous laisse une instruction. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création sans exception. Jésus nous envoie partout dans le monde proclamer la bonne nouvelle, ce qui veut dire aller témoigner de sa vie dans le monde entier, car Jésus est lui-même la bonne nouvelle par excellence. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. C'est-à-dire, celui qui acceptera Jésus dans sa vie sera sauvé. D'où nous sommes invités à accepter le Christ comme notre Dieu et notre Sauveur. Il sera accompagné aussi par des signes. Quels sont les signes?
les signes d'un vrai croyant. Celui qui croira, en son nom, il chassera les esprits mauvais. C'est quel esprit qui nous poursuit, frères et sœurs? L'esprit de vengeance, l'esprit d'orgueil, l'esprit de cupidité, l'esprit de prostitution, l'esprit de vol, l'esprit tribal et autre chose qui nous écarte du chemin de Dieu. Car lui-même nous a rassuré qu'il est la vérité, il est la vie, il est le chemin. Frères et sœurs, celui qui croira parlera un langage nouveau. Le langage nouveau, c'est tout simplement le langage de l'amour, car Dieu est amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est en aimant l'autre que le Seigneur aussi nous accompagne dans notre vie. Il y a tant de choses d'ailleurs que Jésus réalise dans la vie de l'homme. Malgré nos péchés, il nous accorde même le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie. Celui qui croira, il imposera les mains sur le malade. Ceux qui croiront en Jésus, ils imposeront leurs mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Après avoir leur parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite du Père. Frères et sœurs, Jésus, par sa montée au ciel, invite tout le monde à regarder les réalités d'en haut. Regardons les réalités d'en haut, d'amour, de patience, de paix, de justice, de quiétude, du vivre ensemble. Mais malheureusement, nous ne sommes pas de ces hommes qui contemplent les valeurs divines. Alors, en ces jours où Jésus monte au ciel auprès de son Père, prions pour que lui-même nous accorde la grâce de vivre les réalités d'en haut et d'écarter tous ceux qui peuvent nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Restez toujours fidèles à sa parole et en ces jours, nous sommes toujours invités à rester fidèles à sa parole et à monter avec lui. Saint Augustin, sur son sermon pour l'ascension, dit « Dieu nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel, que notre cœur y monte aussi avec lui. Il a déjà été élevé au-dessus des cieux, cependant il souffre sur la terre toutes les peines que nous ressentons. Nous, ses membres. Ces paroles nous rassurent que le Christ soit toujours et toujours avec nous dans tout le moment, les moments de difficultés, de souffrances, de peine et de joie. Lui, il est toujours présent. Demandons-lui la grâce de lui rester toujours fidèle. Bon dimanche de l'Ascension à tous.